You are saying, majibu yako ni mahali hapo utaipata. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour cet après-midi. Tunambariki Bwana juu ya mangaribu ya leo. Et pour votre présence en ces lieux. Na juu ya uwapo wako mahali yenu hapo. Savons que c'est Dieu qui vous a choisi. Tunajua kwamba ni yeye Mungu alimchagua. Parmi tant d'autres. Alimchagua katika kundi ya watu wengine. Présentement, certains sont malades. Kwa hiyo wakati wengine wanakuwa wagonjwa, wanakuwa malari. Certains sont hospitalisés. Wengine wanakuwa katika mahospitali. D'autres viennent de mourir. Na wengine wanatokea kufa par rapport à ça. Mais n'ont pas entendu parler le nom de Jésus. Lakini hapakusikia hata kusikia kusemezea hii jina la Yesu. Et leur âme a été destinée à la perdition. Na nafsi yabo inaenda katika upotevu. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapenda katika Bwana. Vous êtes heureux dans le Seigneur. Pour avoir écouté la parole de Dieu. Nous allons parler, exhorter un tout petit peu là-bas. Nous allons parler sur où tu es. Où est-ce que tu es? Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, les enfants de Dieu. Léo, batotu ya Mungu. Ils sont agités par-ci par-là. Certains ils ont des problèmes. Mais ils ne trouvent pas de solution. Cela dépend de l'endroit là où ils sont. La Bible nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos. Bien aimé dans le Seigneur. Où que tu sois. Sache que si tu viens à Jésus, c'est lui qui a le véritable repos. Tu peux te reposer dans ta maison. Tu peux dormir. Mais si tu as des problèmes, tu ne sauras jamais bien dormir. Tu n'auras jamais la paix. Mais lui, Jésus-Christ, il est le prince de paix. Si tu viens à lui, il va te donner du repos. La Bible dit que vous tous qui êtes fatigués et chargés, les charges dont on est en train de parler, ce sont des problèmes. Vous avez des problèmes. Le monde est rempli de problèmes. Il y a des difficultés. Mais sache que si vous venez à Jésus, il a le véritable repos. Le repos, c'est-à-dire la solution à ton problème. Se trouve en Jésus-Christ. Le véritable repos. Il est ma musique ya kweli. Oh, la véritable solution à ton problème. Na jibu ya kweli se trouve en Jésus. Il a cru en Daniel Jésus Christ. C'est pourquoi lui-même il a dit ceci. Soma na yeye alisema hivi yeye mwenyewe. Venez à moi. Mukuje kwangu. Tous qui êtes fatigués. Mais bote mnakuwa benye kuchoka, je vous donnerai du repos. Nite mikaburia ma musique. Matthieu chapitre 11 verset 28. Tamara katika Matthieu 11 28. Nous voulons oui, 28. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. 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 On applaudit très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'était Jésus qui parlait. Il croit lier sur la langue seulement. Il savait que dans le monde il y a des problèmes. Je peux poser une question. Qui de nous ici n'a pas de problème? Alléluia. Amen. Tout le monde a des problèmes. Mais Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Tu peux aller à gauche. Tu peux aller à droite. Mais la véritable solution à ton problème. La kini solution à Diakon, Jibu Yabiakon, Kumambo Yako. Se trouve en Jésus Christ. La fois, Daniel Yesu Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons donner nos vies à Jésus. Quand nous venons vers Jésus, nous devons venir avec nos fardeaux, nos problèmes, nos difficultés. C'est lui qui va donner la solution. Lui-même il a dit ceci. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés. Alléluia. Amen. Et vous tous qui
êtes fatigué. Na mwaya mumekusha kuchoka. Il y a certaines personnes au milieu de nous. Kuku bantu bengine katikati yetu. Ils voulaient même se donner la mort. Balipenda hata kujua. Puisqu'ils sont fatigués des kwa problèmes. Kwa sababu banachoka mambo inapita. Ils sont tourmentés par les problèmes. Mambo inabazungurusha kichwa. Ne te donne pas la mort, bien aimé dans le Seigneur. Hapana kujua nduku. Jésus-Christ est la solution à ce problème. Jésus-Christ anakuwa ni jibu kwa mambo yanakuwa nayo. Mais ce qu'il veut que tu fasses. Lakini ile anapenda ufanye. Que tu viennes vers lui. Upate kuja kwake. De toi-même. Wewe mwenyewe ukuje. Il t'attend. Ena kongolea. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cet amen. Tunabariki Bwana kwa hiyo wakati ya upekee. Ta présence en ces lieux. Ma wapo wako mahali hapa. N'est pas le fruit d'un hasard. Aina kwa bure unajikutanisha kama ile hapa. Chez Dieu il n'y a pas de hasard. Kwa Mungu hakuna binti vya kutokea hapa. Dieu t'a choisi. Mungu alikuchagua. Un jour comme celui-ci. Hii siku kama ya leo. À cette heure même. Kwa hiyo wakati. Que tu devais être en ces lieux. Ya kusema wewe upesha kuya mahali hapa. Pour recevoir sa parole. Tu as quoi kupokea neno yake. Et la Bible nous dit ceci. La Bible anasema hivi. Il leur envoie la parole. Anabatumia neno yake. La parole est guérie. Na yona ne yabo yake kibatunza. La parole de Dieu a une puissance. Neno ya Mungu inakuwa na nguvu moja. Et quand tu la reçois. Na kama unaipokea, elle te délivre. Inakuwa inakufungua. De toutes les chaînes qui pouvaient t'empêcher. Kutoka minyororo yote ile kufunga. Certaines personnes. Kuku watu wengine. Ils n'arrivent pas à dormir. Abaweze kulala. Si la nuit commence à tomber. Kama busiku bunaanza kuingia. Il sait qu'il va être tourmenté. Baba anajua kwamba busiku batateswa sana. Alléluia. Amen. Aujourd'hui. Lakini leo. Jésus-Christ est là. Yesu Kristo anakuwa mahali hapa. Il a la solution à ton problème. Anakuwa na jibu kwa mambo yako. Alléluia. Amen. Quel que soit le problème que tu as. Ikuwe mambo yote unaesikwa nayo. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jésus-Christ est mort à notre place. Yesu Kristo alikufa pahali yetu sisi. Il a pris notre fardeau. Yeye alibeba mizigo yetu. Ton problème là-bas. Mambo yako wewe. Jésus-Christ l'a cloué à la croix du calvaire. Yesu alibeba. Alors, il s'est fait malédiction. Pour que, quand nous allons croire en Jésus, nous puissions être bénis. Amen. Amen. Mais la seule condition, viens vers Jésus. C'est pourquoi notre thème avait dit ceci. Où es-tu? Où tu es? La Bible dit ceci. Là où sera ton trésor? C'est là où sera ton cœur. Alléluia. Amen. Où est-ce que tu espères? C'est là où tu es. Qui est-ce que tu espères? Peut-être tu te dis ceci. Telle personne dans la famille est mieux placée. Il a une voiture. Il a un camion. Il a une camion. Yanakuya na gari, si j'allais vers lui, kraminenda kwake, j'aurais la solution. Yatanikabura jibu, atanikabura pesa. Amen. 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 Mais la Bible dit ceci. Lakini Biblia inasema hivi. Maudit soit l'homme qui se confie en un homme. Alaaniwa ule mtu anaweka tumaini yake ndani ya mtu. Mets ta confiance en Jésus. Weka tumaini yako ndani ya Yesu. C'est lui qui va prendre ton fardeau. Ni yeye atabeba muziko yako. Aujourd'hui la personne considérée dans ta famille. Ule mtu mnakuwa mnangara sawa bei ndani ya jamaa yenu. Aujourd'hui il va t'aider. Leo atakusaidia. Demain il va t'aider. Kesho atakusaidia. Mais après demain il dira ceci. Mais kesho yake atasema hivi. Huyo ana dérangé, il a dérangé, il dérange maintenant. Il me dérange un peu trop. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Mais Jésus est l'ami fidèle. Yesu anakuya huyo rafiki mwaminifu kabisa. Quand tu es dans les problèmes. Kama unakuwa ndani ya magumu. Jésus est près de toi. Yesu anakuwa pembeni yako. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, na kama unakabudia maisha yako kwa Yesu, il te donnera solution à ton problème. Yeye atakabudia majibu kwa magumu yako yote. Quel est le problème que tu as? Ni mambo kanu nakuya nayo. Étale ce problème devant Jésus. Upata kuileta ile mambo yako kumbele Yesu. C'est ça le fardeau dont on parle. Ile ndio tunasema muziko ile tunasemezea. C'est ça le problème que tu as. Inakuwa ni magumu mambo yote nakuwa nayo. La sorcellerie. Inakuwa ni boulangerie. Ta gasse. Boulangerie mnakuteswa. Ils sont en train de te tourmenter. Banakuya banakuteswa kabisa. Mais viens à Jésus. Kuya kwa Yesu. Jésus a la solution à ton problème. Yesu anakuwa jibu kwa mambo yako. Il a le dernier mot. Yeye anakuwa na sauti ya mwisho. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons applaudir très fort pour la gloire de Dieu. Tukapita mikono kabisa kwa sauti ya Mungu. Venez à moi. Mukuje kwangu. Où es-tu? Wewe unakuya wapi? Tu es le prophète de ta vie. Wewe unakuya nabii ya maisha yako. On n'a pas le temps de prophétiser en ces lieux. Hatuna na wakati ya kuweza kutabiri mahali hapa. Wewe tu es le prophète de ta vie. Lakini wewe unajua mzuri maisha yako. Tu connais l'historique de ta vie bien aimé. Unajua maisha yako mzuri kule inatokea na kule unaenda. Mais pose-toi la question. Où sasa es-tu? Ujiulize kwa hiyo wakati unakuya fazi gani? Là où sera ton trésor? Mahali pale patakuya mali yako. C'est là où sera ton cœur. Jo pale patakuwa roho yako. Donne ton cœur à Jésus. Ulete moyo wako kwa Yesu. Viens à lui avec ton fardeau. Ukuye kwake na mizigo
quoi? C'est qu'est-ce qui te tourmente? C'est la bière que tu ne veux pas, tu échoues de te détacher de Nimpombe ça. Unashindwa kuacha. Ou peut-être c'est la cigarette, tu échoues de te détacher. Voilà, nintumba unashindwa kuacha. On ne va pas te libérer, c'est ça. Aba ta konesha sema chapana. Viens avec ça. Weye kuya paka kuna wiko. Ah, Jésus. Kwa Yesu. Alléluia. Amen. Mais c'est un problème au pied de Jésus. Kamate le mambo yeke kumigu ya Yesu. Ya Jésus na choka ebintu. C'est ma croyance, je suis fatigué de ces histoires-ci. Et il va te donner la force. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce temps. Bien aimé dans le Seigneur. Profite de ce temps. Alléluia. Amen. Puisque des temps comme ceci n'auront pas lieu. Aïe, alléluia. Amen. Ça passe. Il a quelqu'un qui a une fois là que j'étais en train de voyager. Wakati moja nilianza kusafiri. Côté de Lubumbashi. Kunambo ya Lubumbashi. Arrivé quelque part là. Kufika mahali fulani. C'était un yas qui avait déjà fait la qui venait de faire l'accident. Ilikuwa ni ka Dubai kama kafanya accident. Et qui était en feu. Na ilianza kwa kama tele Dubai. Juste au milieu de la route là-bas. Na katikati ya njia. J'avais vu un jeune là qui était déjà calciné. Miliona kijana moya kama mwenye kulungua yote. Il avait déjà fait ça. Akawa mwenye kufanya hivi mwenye kulungua. Son visage ne pouvait pas se faire voir. Na hata sura yake haikuweza kujulikana. Qu'a-t-il fait pour qu'il soit mort? Alifanya nini ndio endeka kufa namna ile? Et nous qu'avons-nous fait pour qu'on puisse être vivant? Na si tulifanya nini ndio tukue wazima kwa hiyo wakati? Peut-être il s'était réveillé de bon matin. Mara ingine alamka tu busubuhi paka hivi. Il a dit que je fais au boulot. Anasema mimi naenda kutumika nenda kazi. Mais je ne sais pas ce qu'il attendait. Lakini ashikujua ile mambo kuna mongola kumbe. Bien aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Dieu connaît ce qui peut nous arriver. Mungu anajua ile inaweza kutufikia. Si tu donnes ta vie à Jésus. Kama unaleta maisha yako kwa Yesu. S'il y a un combat qui est devant ta kama vie. Kama kuna vita na kwa kumbela maisha yako. Peut-être on veut te tuer avant le temps. Dieu va te protéger. Il est la véritable protection. La Bible dit ceci. Si l'Éternel ne veille sur la maison et sur la ville, celui qui veille veille en vain. Alléluia. Amen. Là, c'est une parenthèse que j'avais ouverte. Pour vous faire voir ceci. Entre nous et la mort. Katikati yetu na lufu. Ya un pas seulement. Kuna kwa tuni atua moya. Kiloko tu pa. Ni tu kwa naipa ka pa ka pa. Tout simplement un petit jeu. Je crois bien. Directement la personne est partie. Alléluia. Amen. Amen. Le problème c'est ce qui nous attend de l'au-delà. Mambo ni nena kwa ine tongola ki sa lufu yetu tena. Après la mort. Ki sa kufa. Bien aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. D'abord, le premier pas que nous devons faire. Lakini hatua ya kwanza tunaweza kufanya. De venir vers Jésus. Ni kuja kwa Yesu. Avec nos fardeaux. Na ma mizigo yetu yote. Déposons-les à ses pieds. Tunayeka kwa miguu ya Yesu Kristo. Alléluia. C'est lui qui connaît le problème. Yeye ndio anayua mambo yetu. Il te connaît plus que toi-même. Anakujua kukushindia wewe mwenyewe. Alléluia. Amen. C'est lui qui t'a créé. Kwa sababu ni yeye alikuumba. Il sait ce dont tu as besoin. Anajua unakuja lazima na nini. Il sait ce qu'il te faut. Anajua ni nini ile nafai katika maisha yako. Pour que tu ne sois plus tourmenté. Ile ushukue mtu kwa kuangaika ngaika. Alléluia. Amen. On va jeter les mains là où nous sommes. Tutatekisa mikono yetu mahali pale tunakuja. On applaudit très fort pour la gloire. Tutafika mikono kabisa kwa ajili ya kitu ya Mungu. Nous sommes arrivés, nous arrivons presque à la fin. Tuna afika karibu mwisho. Ce que l'objectif que nous sommes venus avec. Na ile shaba yetu tunakuja nayo. Que tu saches où tu es. Ni kujua mahali pale unakuja. Tu prends la décision. Ubambe mpango de venir à Jésus. Ya kuja kwa Yesu. D'abord. Kintu cha kwanza. Lui, il est prêt à t'aider. Yeye anakuwa tajari juu ya kuweza kukusaidia. Le problème là que tu as là. Ile mambo unakuwa nayo. Il est prêt à pouvoir t'aider. Ye anakuya tajari sana juu ya kuweza kukusaidia. Yani le fardeau que tu as. Ni kusema ile muziki unakuwa nayo. Il est prêt à pouvoir le prendre. Ye anakuwa tajari ya kuweza kuyachukua. Kukufungua. Alléluia. Amen. Mais d'abord. Lakini kitu cha kwanza. Accepte-le dans ta vie. Upate kumkubali ndani ya maisha yako umsikie ndani ya maisha yako. Mais d'abord. Ile ndio inakuwa hatua ya kwanza. Accepte-le dans ta vie. Upate kumuitika Yesu ndani ya maisha yako. Comme ton Seigneur et Sauveur. Kama Bwana na Mwokozi. Personnel. Wako. Alléluia. Amen. Et alors? Na hivi sasa. Il va prendre la responsabilité, il va te prendre en charge. Sasa yeye atakuchukua. Alléluia. Amen. Prendre en charge. Ataongoza maisha yako. Dit qu'en tout cas umuntu anebeba en charge. Yote. Nikusema mabezwa yako yote
Tes problèmes deviennent ses problèmes. Alléluia. Si celui, si la sorcellerie t'attaque, il y a comme un bouclier devant toi. Celui qui va intervenir. Et il va te protéger. Alléluia. Amen. Je suis un peu plus de temps pour vous dire que vous êtes.